Hello there. Alors, donc, on va continuer cette carte, n'est-ce pas? Je corrige ça. Hey Gold! Rebonjour, comment ça va ce matin? Ça va nickel. Et toi? Je vais rendre l'étiquette un peu moins lisible. Parce que j'ai déjà mon fils qui m'a. Qui est passé à l'offensive, qui m'a dit. Et pourquoi on boirait une potion de soin si on n'a pas besoin de récupérer des points de vie? Ok. On ne sait pas trop ce que c'est comme potion alors. Hello, hello, brother! Il n'a pas totalement tort. C'est pour ça que j'ai. Je fais en sorte que l'étiquette soit moins lisible. Je te dis, il y en a un qui est. Bien involved dans le. Tu kiffes ce petit son? Bah oui. Je me doute bien. Ok, alors. Donc ce soir tranquille, je finis ça et puis ce sera tout. Je pense pas que je vais partir sur une autre carte. Quoique, on va regarder la suite et puis on verra. Peut-être que j'en préparerai une autre. On verra comment je serai quand j'aurai fini ce fond. Comment il va le frangin? Bon, en fin de compte, cette planche m'emmerde. Fausse bonne idée. Ça dégage là-bas. Bon, je réfléchis à tout pour venir au moins une semaine vous voir. Tu as encore combien de cartes à faire? Je crois que j'en ai 18 encore à faire. Plus le. Attends, laisse-moi regarder si c'est avec ou en plus du.
d'illustration pour faire la boîte. Alors attends, je vais aller là-bas. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 avec la boîte. Donc l'illustration de la boîte sera un peu plus grosse que ça parce que faut que ça claque. Je pense que ce sera un A3, ça suffira. Parce que bon, ça va être réduit sur un paquet de cartes quand même, donc. Mais bon, si on veut faire des affiches et tout. Ben, la deadline c'est octobre, hein. Donc mais là c'est sûr que je ne prends plus de commandes entre les cartes là. C'est d'abord les cartes et après les commandes. Là, l'objectif c'est de terminer là. Salut Manu, ah enfin! Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On t'interdit de regarder ma chaîne ou quoi? C'est une commande. Pour répondre au frangin, c'est Sébastien l'éditeur qui continue à expander sa franchise de Maître Guerrier. Et qui sort son jeu de cartes. Une carte, si c'est une carte, c'est une carte événement. Vous avez été un peu trop rapide à boire cette potion, elle était périmée. Ouais, nickel. Super week-end. Ça s'est passé nickel, spectacle nickel. Hier soir c'était nickel aussi. Hier soir j'y suis retourné. Et il reste demain soir et samedi soir et c'est fini. Pour bon repos.
Non, non, il y a 6 dates, hein, donc il y a encore vendredi et samedi. Après, vous pouvez faire figurant au Puy du Fou. Ouais, au Puy du Fou, c'est un peu loin. Hein. Mais c'est le même boulot. Sauf qu'ils sont plus nombreux. Et qu'il y en a une bonne partie qui est professionnalisée. Et sinon, c'est le même boulot. Donc c'est bon, j'ai assez de bon repos. Là maintenant, je vais attaquer ma rentrée. Me concentrer sur mes dessins et sur mes ateliers. Et je vais attendre janvier qu'on reprenne l'entraînement. Pour apprendre des nouvelles chorégraphies. Chorégraphie! Je suis figurant pour un son et lumière qui se passe en Centre-Bretagne. Un assez gros truc. Qui s'appelle le son et lumière de Bon Repos. Pas le nord, toi. Tu l'avais pas vu parce qu'il est caché depuis ce matin. Il attend que je reprenne. Ouais, la Vallée des Saints. Alors le truc avec la Vallée des Saints, c'était que c'était les BDCA qui faisaient ça et là, les BDCA, ça n'existe plus. Et l'association qui reprend, je me suis pas inscrit parce que ben justement, j'avais déjà, je voulais déjà m'engager avec Bon Repos. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut faire. Je sais que j'ai déjà pas mal de boulot avec l'atelier. Les différents projets plus ben les quelques petites animations à droite à gauche que je suis susceptible de faire avec avec eux. Après on verra si Will m'appelle en disant on a vraiment besoin de combattants pour cet événement, on verra. Mais... Non, pour l'instant pas d'entraînement avant janvier, c'est en janvier que ça reprend pour le spectacle. Et là ce sera l'occasion d'apprendre une toute nouvelle chorégraphie. Parce que là depuis janvier, je bouffe un peu la même, donc c'est vrai que ce sera sympa de faire autre chose. Enfin, j'ai deux chorés différents, mais une à l'épée, une à la lance. C'est vrai qu'on l'a tellement faite que maintenant, j'ai plus trop besoin de réfléchir.
truc vert parce que hier apparemment il y avait un photographe sur le site. Photographe professionnel pour nous prendre en photo et entre telle heure et je l'ai pas vu. Et je pense que je l'ai loupé parce que j'ai vu quelques photos circuler. Si merde, c'était l'occasion d'avoir une belle photo. Mais lundi, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Je suis resté ici, je regardais les anciennes vidéos. D'habitude, ça coupe quand tu arrives. Je peux pas te dire, moi je suis arrivé, il devait être 35, un truc comme ça. Peut-être qu'ils ont changé, que maintenant ça coupe plus quand t'arrives, quand j'arrive, je sais pas. Je peux pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que j'étais en live. J'en veux pour preuve ma rediff. Bien sûr, c'est que c'était tranquille. Bon, gigot d'agneau, réveil 4h30, bref, la bise, vous, 4, et la room, mouek, 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 mouek. Eh ben, bonne nuit, frérot, et à bientôt. À bientôt, bientôt. Putain, 4 heures, ça pique les yeux quand même. Moi qui me plains que je me lève à 6 heures demain. La psy. C'est la psy, c'est la psy.
Donc ce soir, on est sur une potion périmée. Donc on n'est pas sur une carte d'équipement, on est sur une carte d'événement. Donc au lieu de bénéficier des bienfaits de cette potion, on perd un point de vie. D'où le petit gaz vert qui sort de la bouteille. Ouais, ça se voit pas trop, mais il y a un petit gaz vert qui sort de la bouteille. Bah, disons que plus le fond va foncer et plus le gaz va se voir, mais c'est pour ça que je suis en train de doser, de prendre des gants. Pour pas que ça fasse trop solide comme apparence. C'est vrai qu'on a l'habitude que la caméra ne retranscrive pas un petit peu ce qu'il y a sur le dessin. Des couleurs que la caméra n'aime pas. Emmanuel a l'habitude de ça. La prochaine carte, ce sera quoi? La prochaine carte, ce sera quoi? Je vais te dire ça tout de suite. Ce sera quoi? Kobe. La grenade à mèche. On va arriver après sur les... sur l'équipement. Équipement, oui, c'est ça. Donc, l'équipement, c'est les cartes qu'on va pouvoir garder. On a le droit à trois. On peut garder jusqu'à trois équipements dans son sac. Et ça va de la clé, une clé pour ouvrir un coffre, en passant par la grenade à mèche, poudre de fumée, un peu la ninja pour pouvoir. Disparaître sans être vu quand il y a un monstre qui nous attaque. On a du coffre, un coffre fermé à clé, d'où l'intérêt d'avoir des clés qui se baladent.
il y a un petit peu tout en limité en fait. D'où l'intérêt après des extensions qui permettront de rajouter un petit peu de tout aussi. La clé, je l'ai fait quasiment dès le début pour ouvrir une porte. Et en fait, après, il y a eu l'idée de faire une porte ouverte pour limiter les passages secrets. Et en fin de compte, ça avait un peu foutu le bordel dans l'esprit de ceux qu'on avait fait essayer le jeu. Parce que pour eux, quand une porte était fermée, ben, fallait juste mettre une porte ouverte pour montrer que la porte était ouverte, quoi. Donc, du coup, on a enlevé l'idée de la clé qui ouvrait la porte. Et on a gardé l'idée d'avoir une carte porte ouverte pour montrer qu'on avait ouvert la porte. Et comme ben, j'avais déjà fait le dessin de la clé, je l'ai transformé à la carte pour en faire une clé de coffre. Donc bon, elle est un peu grosse pour une clé de coffre, mais ça passe. Il faut que je fasse un gros coffre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de partie. Peut-être falloir que je fasse une partie un petit peu là pour imprimer les cartes qui ont été faites depuis la dernière partie. Parce que là, à 18 cartes près, le paquet est comblé, hein. Donc 18 cartes qui restent sur un paquet de 163 cartes. C'est pas la majorité. Franchement, hâte de voir le résultat final, moi aussi. Pour finir le logo Maître Guerrier, tu as laissé en rouge en bas? Oui, bah, j'ai montré à Sébastien, il était content, donc c'est resté comme ça. Puis je me suis fait aussi, donc ouais, moi aussi j'ai hâte d'avoir le jeu de cartes dans les mains. Parce que là, pour l'instant, ce que j'ai, c'est des cartes que j'ai imprimées moi-même. Surtout que les autres cartes vont être sympas aussi. Ça, ce sera après. Dans les 18 cartes qui me restent à faire, il y a les autres cartes. D'autres cartes du paquet événements, d'autres cartes du paquet aventure. Et les autres cartes des paquets de cartes de combat. J'ai trois d'autres cartes différentes à faire. J'ai même envie de dire LTBQ. LTDQ. On se demande quand de quoi on parle. LTDQ? Quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait avec mon cul?
Ça va plus vite. Après, bah après, il va falloir faire des vidéos, va falloir faire des démonstrations et commencer le Kickstarter. Alors, tu en as parlé lors de tes déplacements? Alors, parler de quoi et déplacement où? Alors déjà tu te détends, hein? Déjà tu te détends, hein? Et en plus j'ai pas fait de déplacement pour montrer le jeu encore, d'accord? On n'a pas encore commencé les démonstrations parce qu'on n'a pas encore le jeu. D'accord, faut que je le termine avant. Donc on fera des démonstrations quand on aura les fameux 100 paquets que Sébastien veut acheter pour décembre. Hein. Donc là, oui, on fera les clubs locaux et on parlera du jeu. Et on fera des démonstrations. Bon, on n'en est pas là encore. Pour l'instant, il faut que je finisse le jeu. Bah, là, je suis en train de montrer quelque chose qui n'existe pas, mais il y a encore quelques cartes qui sont en mode croquis, donc ça fait un peu. C'est mieux de le montrer une fois qu'il est terminé avec les dos des cartes et tout, quoi. D'avoir un produit terminé. Challengers approach. Oh, il y a un challenger. Qu'est-ce qu'il veut me faire faire comme challenge? Il n'y a plus grand chose, hein. C'était pour tester. Alors il y a un truc qu'il faut que tu saches. C'est que pour 20 000 pièces d'or.
Je peux travailler 20 minutes sur une commande de dessin. En fait, toutes les 20 000 pièces d'or, je continue à travailler 20 minutes sur ta commande. Quand ta commande est terminée, tu me payes les frais de port et je t'envoie le dessin. Donc il y a moyen d'avoir un dessin original juste pour le prix du frais de port, mais ça implique que tu sois là beaucoup. C'est un peu un remerciement en fait d'être là assez souvent. Je parlais lorsque tu as fait tes démos. Je ne retiens jamais le nom. Depuis le début du mois, je sais bien que tu ne peux pas faire de démo. Je sais pas. Depuis, ça n'a rien passé, donc j'en ai pas beaucoup plus parlé. Samedi, je suis censé avoir une réunion. Je sais pas si je vais y aller ou pas encore. Ça va dépendre de ce qu'on a prévu. Si c'est pas samedi là, c'est samedi. Samedi d'après d'ailleurs. Je vais ressortir une carte d'équipement comme ça parce que je me rappelle pas trop des couleurs. Et je suis passé un petit moment sans en faire du tout, donc qu'est-ce que j'utilisais comme couleur? On était plutôt sur du jaune, ouais. Pas mal de jaune avec du orange, ok. D'accord. Ouais, on est beaucoup plus jaune que ça. Ok. Garder celle-ci en référence. Alors j'insiste un petit peu plus sur le orange et le jaune, effectivement. Effectivement. Et les mains un peu moins jaunes par contre. Alors.
Oui, c'est la fameuse clé qui ouvre les coffres. Maintenant. Et qui ouvrait les portes au début. Il a fallu que je poscaïse les coins pour pouvoir les remplir de nouveau pour que la carte soit pleine. Parce qu'il n'y a que les cartes qu'on garde en main qui ont des coins avec les arrondis là. Ajouter un peu de rose hein, dans cette main là. Ça paraît bien jaune.
vois un peu trop là encore. Comment vont les enfants? Ça va. J'en ai un qui est chez sa grand-mère en ce moment. Et un autre qui passe une bonne partie de sa journée dans sa chambre à faire je ne sais quoi. D'où la possibilité de streamer ce matin. Ouais. C'est ça. Donc je pense que demain matin, je pourrais retourner au boulot. Donc il y a des chances que je stream demain matin. Vers 9h30 encore. Ah, c'était parti. Oh merde, demain matin je suis pas dispo, j'essaierai peut-être de venir faire un coucou, mais je promets rien. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Oh, faut que j'avance de toute façon, donc je commencerai ma grenade à mèche. Là pour le coup le dessin est déjà fait parce que je vais reprendre la grenade à mèche que j'ai fait pour le libère des batailles. Il y a de ça un petit moment maintenant, je crois que c'était en 2020 ou 21, je sais plus. Donc je vais juste le prendre le dessin et le refaire en couleur. Peut-être à main nue plutôt que de faire un gantelet. Une petite douche, ok. Alors, je m'en suis même pas aperçu. J'ai la ref. J'adore. J'adore l'eau. En 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus.
Faut demander à Jean-Claude, il doit savoir. Il dit pas tout. Il dit pas tout. Bon, du coup, après les cartes, j'ai encore des commandes de notre auteur qui m'a commandé des illustrations de son couple princier, de son méchant avec son chien noir. Là. J'ai encore d'autres personnages qui m'a commandé. De ses livres, ouais, je pense que c'est ça vient de ses livres. Là, il y aurait Stig Venir qui serait là, il dirait « Ouais, tu parles de Raphaël, c'est ça ?» Je dirais « Ah oui, c'est ça, Raphaël. » Ouais, c'est Raphaël.
On se dit, tiens, il n'y a rien de dessiné derrière, ça va être un peu moins long. En fin de compte, ça change rien du tout, c'est toujours aussi long. Parce qu'on a déjà 1h10 de passé, j'ai bien passé déjà 2h ce matin. Parce que j'ai fait 1h ce matin, 1h cet après-midi. Donc on est déjà à 3h de fond là. J'ai reçu mes affiches, oui. Nickel. Donc ben là va falloir que j'imprime 100 feuilles A4 sur lequel je vais dire aux gens que je suis au forum des associations le 9 et que je fais ma journée porte ouverte le 10 et que je commence mes ateliers le 11 septembre. Que je scotche ça sous toutes mes affiches. Et que le 15 août, j'aille mettre ça partout. En revenant des vacances. Ouais. Oh, je le sens, c'est bien cette rentrée septembre. J'ai déjà trois petits hauts qui sont inscrits à l'atelier dessin du lundi soir. J'en ai une petite qui est assez motivée déjà d'inscrire aussi. J'en ai deux ados en atelier dessin de 4 à 5. Et j'ai même pas encore fait mon forum des associations. Donc, je le sens assez bien. J'ai l'impression que mes ateliers vont vite se remplir cette année. En même temps, 5 places par atelier, il y a moyen que ça se remplisse vite. Hein. Oh, j'aime pas le mot prof de dessin, non. Je suis animateur d'atelier d'art plastique. On fait du dessin, on fait de la sculpture, on fait de l'art plastique basique dans le genre... Là, on va faire une plante carnivore avec du papier mâché, des trucs comme ça, tu vois. Pour les gamins. Dessin sculpture pour les adultes. Dessin pour les enfants aussi. Moi aussi.
Thank you.
Bon, je pense que c'est bon pour le fond. Bon alors, on va se faire le brassard.
Oh, jeez. Come on. I've been raped by wolves. You make me jump. Hello, everybody. Thank you for wake me up. Je vais finir par devenir cardiaque. I think this sound alert is too loud. Hello. Oh. Quaron. Ah, ok. Quoi? Bonne nuit. À demain. À demain. Pour Avignon. Je suis presque fini. Je me suis chié dessus. C'est mal d'être grossier, mais... Ah ouais, c'était fort aussi de votre côté? Hey, the world waiting. The lovely helper. Thank you for the raid. For the raid, n'importe quoi. For the follow. So welcome everybody. My name is Alan Barbeau, the only ballpoint pen orc artist on Twitch. And this evening we are drawing one of my dungeon crawling card game. Would like to say to stay, but I got to go. All right, but thank you for coming and for following my channel, and I'm sure I will see you next time. And thank you again, Ace of Wolves, for your raid. Bonne nuit, Aaron. How was your stream? So mind blowing. thank you. What you were working on this evening? Ace of Wolves. Wolves. Why being just the Ace of Wolves when you can be Ace of Wolves? Stream was wonderful, everyone is so kind. That's the beauty of Twitch, isn't it? You were working on the wolf? Time for me to raid and run to bed though, so have a wonderful rest of your stream and a good evening. Thank you very much, and have a good rest as well, a good night. A good night's sleep, and thanks again for the raid. Oh.
Donc, ben, comme prévu, après les commandes que j'ai débloquées là cet hiver, je vais bosser sur la fiche de bon repos que j'aimerais bien voir. Le seul truc qui m'emmerde, c'est un truc que m'a dit Aurore. Qu'elle m'a dit, et imagine, t'as un illustrateur qui te pique l'idée. Imagine, ils font appel à un illustrateur pour l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, parce que les illustrations durent 2 ans. Donc l'année d'après. Et que le gars il sait pas trop quoi faire et d'un coup il vend mon croquis, il dit c'est parfait et il refait le même. Tu sais quand? Tu sauras quand si c'est ok. De quoi? Bah que faire sinon? Le faire en privé et leur montrer en privé, mais c'est pas tout à fait mon genre. Après, je peux aussi leur montrer tout de suite après que j'ai fait le croquis, comme ça si quelqu'un d'autre arrive avec le même genre de dessin, ça va faire genre plagiat. Tu l'attaques en justice et tu lui demandes un dédommagement $1 million. Oh ben là après, le truc c'est que moi je sais même... Là, pour l'instant, c'est que j'ai tellement la fiche dans ma tête que j'aimerais la sortir de ma tête. Au crayon, sur une feuille. À 3, ça suffit. Et à la limite, leur montrer. Voilà comment moi, je vois la fiche. Après, qu'ils me disent, ah bah écoute, nous, ça nous botte, t'as qu'à nous faire la fiche. Ou qu'ils me disent rien, je m'en fous un peu. S'ils me demandent de faire la fiche, tant mieux. C'est cool. S'il me le demande pas, au moins j'aurais sorti cette affiche de ma tête. Et franchement, je pense que, alors, soit ils sont, c'est eux qui sont partis dans le délire de, dans la direction artistique que ça a pris, c'est-à-dire, il y a un dessin inspiré du spectacle, quoi. Et donc du coup, ça les intéresse pas d'avoir une affiche à proprement dite du spectacle. Mais s'ils sont... Je sais pas, je peux pas te dire. Bah, c'est ce que je vais faire. Bah, je vais faire ça cet hiver.
Quand j'aurai fini les cartes, j'ai quelques commandes à faire et après, je me fais mon affiche. Au crayon. Après, j'envoie un petit mail. Salut, c'est Alan Barbeau, combattant, combattant à pied pour Bon Repos. Voilà comment moi je verrai l'affiche. Je vous laisse avec ça. En plus, je suis parti de l'équipe, donc... je sais qu'ils aiment bien travailler avec des artistes locaux. Là, tu peux pas faire plus local, hein. Ce sera le moins cher. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas trop comment ça se passe. Moi, je suis déjà rentré en contact avec l'un des artistes qui a déjà fait une affiche. Oui, je demande à Bruissero. Je sais pas s'il me répondrait. Parce que je sais qu'il en a fait deux. Enfin, il en a fait plus, mais les autres, on les voit pas. Moi, je mesure combien? Voilà une question intéressante. 1,73. Pourquoi cette question si c'est pas indiscret? Trop foncé mon brassard, ça porte trop l'attention sur le brassard et non sur la bouteille. Ah. Merdasse. Parce que sur alanbarbeaublog.com, il y a des photos de toi qui tiens les cartes et tu dis, on dirait que tu es gigantesque. Ben, c'est parce que les cartes sont des cartes de poker, comme je te l'ai dit. Donc, c'est des petites cartes. C'est des petites cartes normales, quoi. Les cartes classiques de poker. J'ai collé des coupés numériques de mes cartes sur des vraies cartes, donc on est à l'échelle. Non, là je peux pas, non.
Ah bah j'ai pas des grosses grosses mains quand même. C'est une taille classique de carte. Si tu les as en main. Carte classique, hein? On est beaucoup plus petit que le A6, Manu. Ça, c'est du A5, déjà. Le dessin d'origine est en A5. On est plus A6, on est sur du A7. Oui, derrière il y a d'autres cartes bien sûr, que je n'ai pas encore dessinées. Hop. Merci. D'ailleurs, une autre question, à quoi servira le saucisson à l'ail? Tu as vu le saucisson à l'ail? Le saucisson à l'ail redonne de la vie. Je sais plus combien. Ça va être écrit là-dessus. Bonne carte. On a des cartes de sortie, la grenade à mèche. 6 points de vie, ça enlève 6 points de vie à un ennemi, on a de la poudre à fumer qui permet d'esquiver un combat, on a des potions de soins qui donnent 3 points de vie, on a une vieille hache à lancer qui permet de lancer une hache sur quelqu'un, et le saucisson à l'ail donne 2 points de vie, voilà, on a 2 cartes saucisson à l'ail. C'est de la bouffe. Donc la bouffe, ça redonne la point de vie. Ok. Bon bah écoute. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal là. Bon, le brassard est plus foncé que je le voulais, mais... Je vais peut-être foncer un peu la main, ça va... Ça va rehausser un petit peu tout ça. Elle est où la main là que j'avais... En référence, là. De toute façon, il me manquait un petit peu de crayon là-dessus. Hein. Il manquait un peu de couleur, de toute façon.
23h23, ah j'ai raté, merde. Après quand tu regardes les arches, les archéens, ils sont forcés avec la peau claire, donc je trouve ça pas choquant. Oui oui non non, si je lui fonce la peau, c'est pas vraiment que c'est un archéen ou quoi, c'est parce que c'est pour contrebalancer le fait que j'ai fait mon brassard un peu trop foncé, donc du coup la main était trop claire, donc je fonce un peu le tout pour que ça fasse moins contrasté. Bon après les archéens, je pense que selon ce qu'ils font, il y en a qui ont la peau plus ou moins bronzée. Hein. C'est comme tout. Hein. Je pense qu'ils ont la peau plus foncée que les nains, par exemple. Qui passent pas mal de temps dans leur montagne. Les archéens sont plutôt à l'extérieur, donc... Ouais, c'est déjà mieux déjà. Ok, là ça me plaît bien. Voilà la potion périmée. Vous pourrez dire que vous avez été là quand je l'ai faite. Attends, parce que pour le coup là maintenant je trouve c'est un peu trop marron là, donc je vais casser un peu avec des noirs. Merci, merci, merci Goldwex, merci Manu, de toute beauté. Ça ressort beaucoup. Hein. Et à chaque fois que j'entends ça, je vois Eric avec la main coupée. C'est toute beauté. On va faire un petit autographe en bas ici. Et on va appeler cette carte terminée.
Here we go. Ok, donc, demain matin, je reviens avec la grenade à mèche. Et tomorrow morning, I'll be back. Attends, on va parler pour nos amis anglais qui nous écoutent. Tomorrow morning, I'll be back with another card. And I'm gonna stop there, cause this card is done. This card is done. Ok, bon alors du coup à demain. Merci beaucoup d'être passé. Merci Manu. Si pas demain à lundi, ok, ça roule. On fait comme ça. Oui, parce que à partir de la semaine prochaine, j'ai fini avec mon repos, donc on va reprendre les soirées normales. Merci Golrex d'être passé. Je te dis à la prochaine. Peut-être à demain matin. Peut-être à plus tard. À demain. À quelle heure? 9h30, normalement. Je mettrai le réveil. Exprès pour vous. Donc, bonne nuit. 9h30 demain matin. Faites de beaux rêves. Salut. Bye. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. So this finger becomes that, hidden under the meat of the thumb. Basically, instead of connecting up here where the knuckles are, it connects back where the wrist is. And so you have another finger there that does everything it needs to do. That's one of the things I noticed about a